Salut tout le monde, c'est Trimano et on se retrouve aujourd'hui pour le bras de fer de la semaine. Et donc on va jouer un deck spécial, car on ne construira pas notre deck, ce sera de l'aléatoire encore une fois, car à chaque fois les créatures ou des sorts voudront rejoindre notre petit deck, car au début nous aurons uniquement 3 ou 4 cartes dans notre deck et le deck se remplira au fur et à mesure des tours. Donc pour cela, pour expliquer le concept, en fait, c'est au début on a 4 cartes, 4 cartes pas très puissantes, normalement 2 pièces, donc les pièces qui ajoutent un de mana, peut-être une pièce détachée et des poulets furieux, on a ça dans le deck, et au fur et à mesure des tours, on va choisir les cartes, donc on va choisir entre 3 cartes au début de chaque tour, donc on va rajouter à notre deck. Et pour finir, petite encore spécialité du bras de fer, car il est assez compliqué aujourd'hui, c'est qu'à la fin de chaque tour, notre main actuelle est remise dans le deck et on repioche une nouvelle main le tour d'après. Donc pour illustrer ça, rien de mieux que lancer une game directement. Et pour cela, on va jouer Shaman. Pourquoi on joue Shaman? Parce qu'on n'en voit pas souvent, on n'en voit pas trop souvent sur Hearthstone. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va faire une petite vidéo sur un Shaman. Ce sera fort sympathique. Et le jeu qui nous découvre, du coup, un adversaire honorable d'habitude. Et qui est le regagnant? Un druide. CR14J. Très bien, très bien. Allons-y, let's go. Donc là, une pièce fournie de poulets et de pièces, hein. Comme d'habitude au début de ce bras de fer. Donc bras de fer qui cette semaine est sorti jeudi, sans doute avec des soucis par rapport à la sortie de la Ligue des Explorateurs. Blizzard nous en dira tant. Alors, contre quoi ai-je le choix? Orion de lave, Sylvanas, Écumeur Morlock. Bonne question. Là, je pense que je vais prendre l'Orion de lave et je vais poser deux poulets. Deux poulets, pourquoi? Parce qu'on imagine que tour 2, enfin, que tour 2, si pouvoir héroïque comme ça, j'aurai au moins un poulet qui survivra pour trade son poulet restant, justement. Alors que si j'avais mis qu'un poulet, il aurait pu pouvoir héroïque et me faire un dégât et garder le contrôle du board. Sachant que si un druide a le board, c'est assez embêtant car il peut buff ses créatures. Mais là, ce n'est pas sur. Oh, je ne suis Il n'a pas pas l'air de d'accord. partir sur ça, donc il fait une maîtresse des diablotins, pièce, peut-être un nouveau poulet. Très bien, donc maîtresse des diablotins, pièce, poulet. Ça va en faire des 1, tout ça. Ce qui va être assez embêtant. Je dois l'avouer. Ah! Alors, Sir Finlay Murraygelton, donc un Murloc hein, qui a l'air assez drôle, un amasseur de butin. J'ai envie de vous dire, on est là pour le fun, donc on va jouer Finlay Murraygelton. Évidemment, une grande expertise, un grand expert de prononciation. Les Murlocs qui ont toujours des noms bizarres, pardon. Ah, du coup, j'ai le choix entre le life tap du démoniste, donc la connexion qui me fait subir 2 points de dégâts et qui me fait piocher, le pouvoir du guerrier qui me donne 2 points d'armure, ou le pouvoir du druide qui me donne plus 1 d'attaque et plus 1 d'armure pendant ce tour. Et je vais choisir le druide car il me permet de pièces, pouvoir héroïque, trade un diablotin et également trade un poulet furieux. Grâce à mon poulet furieux que j'avais tout à l'heure. Donc une carte fort sympathique que je ne connaissais pas, sans doute qui, si je dis pas de bêtises, sort avec l'aile, enfin qui sort avec l'aile de ce soir. Je pense que c'est la légendaire de la nouvelle aile de la Ligue des Explorateurs. N'empêche, il a vraiment une bonne tête d'explorateur avec sa machette en pierre, le monocle, tout ce qu'il faut. L'Indiana Jones d'Hearthstone. Alors, que va nous jouer notre ami druide? Surprise. Bien. Donc, j'imagine que c'est lame tourbillonnant plus pouvoir héroïque, histoire de venir trade Finlay. Et oui.
Donc Finlay, hein, comme il est dit dans la pub Finlay a besoin d'expérience pour les utiliser. Finlay qui est une boisson, évidemment. Du coup, Maligos, chef de guerre, ou Jeeves. J'ai envie de vous dire qu'on va prendre le chef de guerre, parce que le Jeeves, on s'en fiche un peu. Et Maligos aussi, donc on va prendre le chef de guerre. Et là, nous allons Orion de lave, lave de deux pour la taille, et mettre deux poulets. Donc, comme je vous avais expliqué pour le premier tour, on fait ça pour qu'il pouvoir héroïque plus trade pour avoir un board even, donc égal des deux côtés, donc board vide hein, vu qu'il sera égal. Également, ça nous permet de nous débarrasser de notre main, bah, sachant que quand à la fin du tour, donc les mains sont changées, mais que l'on ait une carte ou trois cartes dans la main, le jeu nous en redonne automatiquement quatre. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer le plus de cartes possible dans le tour. Alors, le choix est dur chez notre ami. Peut-être un balayage? Non? Nouvelle maîtresse des diabotins, du coup. Et un petit trade? Peut-être avec un petit pouvoir héros? Oui, il passe son tour. Touche la carte. Très bien, un poulet. Double pièce pouvoir héroïque. Yes. Poulet ou pouvoir héroïque. Et très bien. Donc là, il va avoir énormément de 1. Bon, ça ne fait pas spécialement plaisir. Est-ce que j'ai de quoi le gérer? Non, c'est pas folichon tout ce que j'ai. Du coup, on va garder un. Et bon, déjà on met une poulet ici. Et là, soit je pouvoir héroïque et je tue un nouveau poulet, soit j'invoque un nouveau poulet. Je pense qu'on va. Allez, on va double pièce pour se débarrasser de toute la main. Et on va poulet et plus un d'attaque à notre 2-6, à notre Drake, enfin notre gardien du crépuscule. Et on récupère dans la main Finlay, coup pour à nouveau changer de pouvoir héroïque si l'on veut. Finlay qui plus est une 1-3 donc qui permet de trade les diablotins et les poulets que notre adversaire posera sur le board. Alors pour 5 de mana, qu'a-t-il nous faire? Donc la carte qui vient d'avoir très bien Maître du Culte, qui actuellement va lui faire piocher au moins 2 cartes. Ça nous embête quand même assez fortement. Parce qu'avec la pioche, il va pouvoir récupérer énormément de nouvelles cartes. Et ce n'est pas ce que l'on veut. Hop. Bien donc là, il y a plus un à sa maîtresse diablotin. Et il tape face. Très bien. Donc là, il a passé son tour, on l'a vu que sa main a été changée. Alors, esprit farouche, tigre de Strangleron, c'est capitaine des mers du sud. Nous allons prendre l'esprit farouche, bien évidemment. Et qu'est-ce que l'on va jouer? Très bien. Donc on va pouvoir héroïque. On va jouer Finlay, que je pense que cela reset notre pouvoir héroïque. On va pouvoir l'utiliser deux fois dans le tour. Du coup, est-ce que je sais pas si... Si on prend le pouvoir héroïque du voleur, si on aura deux points d'attaque ou pas. Je pense que si, mais je vais plutôt prendre du coup le pouvoir héroïque du mage. Voilà, donc comme prévu, ça l'a bien reset. Hop, du coup, on va trade le maître du culte avant de trade la 2-3 pour éviter le pioche, évidemment. Et on va pièce le poulet. Vu que de toute façon on aura de nouveau 4 cartes à la fin de notre tour. Hop, donc voilà, comme ce qui était prévu. Donc là, ce qui peut nous mettre mal, donc il y a Météore et il y a également Balayage. Parce que si balaye ma 3-4, il peut trade tout mon board. C'est embêtant. Après, il perdrait également son board, il aurait plus que 2 de mana pour reposer une créature. Donc je pense que j'aurais
quand même l'avantage, mais il me tuerait tout mon board. Il est assez gênant. Donc là, à ne pas oublier, hein, nous avons évidemment le pouvoir héroïque du mage, après avoir eu le pouvoir héroïque du chaman et celui du druide, hein, évidemment grâce à Sir Finlay, hein, qui nous change notre pouvoir héroïque. Hein, donc là, il met une petite sulfurie, et à nouveau une maîtresse de diablotin. Décidément, ça en fait des tokens. Alors, Alexstrasza, Fugain et un nain sombre fer. Je vais prendre Alexstrasza. Pourquoi? Parce que j'ai un gardien du crépuscule dans la main et qu'Alexstrasza est un dragon, tout à fait. Donc cela permet de trigger, enfin d'activer l'effet de mon gardien du crépuscule qui va gagner un d'attaque ainsi qu'une provocation. Là, on va ping le. Comment ça s'appelle? Le diablotin qui a été invoqué par la maîtresse des diablotins. On va mettre la 1-3 dans la 1-1. Il a 3-4. Et la 3-4, on va créer la Solfury avec. Et donc là, on pièce puissante défense sur notre provocation pour empêcher l'adversaire de passer. On va espérer qu'il tape avec sa maîtresse Diablotin, comme ça on en sera débarrassé pour la troisième ou quatrième fois consécutive. Donc là, on récupère énormément de sorts dans la main. Et petit combo, on a l'esprit farouche plus l'orion de lave. Du coup, je peux jouer l'esprit farouche qui me donne 2 de surcharge et ensuite l'orion de lave qui annule les cristaux de surcharge. Comme quoi, même en bras de fer avec des cartes aléatoires, on peut toujours trouver des combos. Donc là, maître du culte qui va vraiment être très embêtant vu qu'il va piocher 3 cartes. C'est énorme hein, pour 4 de mana. En plus de poser une 4-2 sur le terrain. Vraiment, vraiment embêtant son maître du culte pour le coup. Et on pourra le trade normalement avec plus 1 d'attaque sur Sir Finlay, donc la pièce détachée qu'on a dans la main. Levez les boucliers. Oh là, une seule furie. Ah mais c'est bon non. En fait, on va pouvoir le trade directement. Il vient de piocher 3 cartes, hein. C'est assez énorme. Sachant qu'on en a qu'une dizaine, enfin quinzaine maintenant dans le deck. Ça ne met pas très bien. Attends. Est-ce que je peux faire ça? Ça me paraît pas mal. Donc là, je vais prendre le pyromancien sauvage qui me permettra de faire un clean de board assez efficace. Quoique. 3, 5, 6, 7. Non, du coup, faut qu'on... On va être obligé d'esprit farouche avant d'utiliser le pyromancien et l'orion de lave. Demande. Parce que sinon, l'orion ne débloquera pas les cristaux en surcharge. Là, on orion de lave le maître du culte et on trade 2 petites créatures grâce à ça. Donc là, on tape dans la 2-1. On tape avec notre 3-1 face et notre 3-3. Et on pièce, ce qui va nous détruire nos 2-3-1, mais ce qui lui cleanera aussi face de 1. Et du coup, là, on va mettre plus 1 d'attaque à la 3-2. Et passer notre tour. Donc, comme d'habitude, on vide notre main. Vu qu'on aura toujours 4 cartes le prochain tour. Et là, on a chopé le chef de guerre loup de givre. Donc, qui est vraiment bien. Je sens que là, j'ai 3 cartes sur le terrain. J'imagine qu'il va peut-être m'en trade une avec son pouvoir héroïque. Donc mon loup de givre sera 6-6, hypothétiquement. 7-7 si je pose le poulet avant. Là, on espère qu'il n'a pas le balayage. On a l'âme tourbillonnante. Là, il va buff son sorcier draconien. Donc qui est un dragon, évidemment. Là, comme prévu, il trade 2-1 avec son pouvoir héroïque. Donc on va pouvoir faire un chef de loup assez puissant le prochain tour. Donc là, il passe très bien, il repose un poulet. Et c'est tout. Donc, à nous de jouer. Que va nous proposer le jeu? Travail terminé. Oui, donc là, les sorcières des mers Naga, qui fait que les cartes coûtent 5 cristaux de mana, c'est pas utile. Pourquoi? Parce que toutes les cartes que j'ai dans la main coûtent 5 cristaux de mana ou moins. Après, j'ai le saut de flaque ou le mant de brume. Je me demande. Je vais prendre le mant de brume. Je vais le... 4, 6,
Est-ce que je le joue? Ouais, je vais le jouer. Et si je joue 4, 7. Je vais le jouer. Ça, ça me prépare un loot gif, ça le buffera. Et ça va également buffer le poulet que je vais jouer en. Donc là, comme d'habitude, on se débarrasse des cartes qu'on a dans la main. Et on va trade ça 5-6 avant qu'il ne la buffe encore plus grâce à son effet du coup qui gagne plus 1 à chaque fois qu'on la cible avec un sort. Étant donné qu'il y a beaucoup de pièces détachées dans ce bras de fer, on va la tuer directement avant qu'elle ne soit ingérable. Et bien, on paye une petite tasse dingo, mettre bouclier de Senjin, donc 3-5 tonnes, 1 pour 4. La classique. Et là, que va-t-il nous jouer? Notre ami CR14. Donc là, le main de brume, qui est bizarre, n'a pas eu d'effet sur le poulet que j'ai récupéré avec ce nouveau changement de main. Peut-être un bug, je sais pas. Peut-être que le main de brume marche pas bien sur ses bras de fer. Ce sera assez embêtant quand même. Alors, que va-t-il nous jouer pour 5 de mana? Balayage, colère, nature, un rêve, ce serait quand même assez déconné. Peut tout nous jouer là. Alors, cher ami, peut-être une pièce détachée plus un attaque sur le poulet pour trade notre poulet. Alors, il était tout simplement AFK. Travail terminé. Là, Baron Guédon, chef de raid ou aventurier en pleine quête. On va prendre l'aventurier vu qu'on a que des cartes qui coûtent pas grand chose dans la main. Comme ça, on va pouvoir le booster. Du coup, là, on joue l'aventurier. Ensuite, on joue Esprit Farouche. On double pièce, évidemment, on se débarrasse de tout. Là. On joue le poulet. On ping le Senjin. On trade le Senjin avec le manque de brume. Et l'adversaire est parti. Très bien. Donc apparemment notre adversaire a eu un petit souci de connexion ou un rage kit, je ne sais pas. Voilà. Alors après la petite sortie de match de notre ancien adversaire. Donc Druid, hein, qui n'avait pas supporté l'aventurier en pleine quête, disons ça comme ça, hein, évidemment. Nous allons en refaire un, mais cette fois avec un voleur. Valyra Sanguinar. Et nous sommes contre un prêtre Takuto. Donc là, la main que l'on a donc de base, hein, comme d'habitude, le poulet, les pièces détachées, et on est parti. Qu'est-ce qu'on a? Embusqué à Nubar, Goule Mangeuse de Chair et Mataf. On va prendre la Goule Mangeuse de Chair. Pourquoi? Parce que dans ce bras de fer, il y a évidemment énormément de petites créatures. Donc poulet, et encore du poulet. Ouais, un petit bras de fer à KFC, hein, évidemment. Et donc la goule Mangeuse de Chair, qui, avec tous les trades qu'on fera avec les poulets et tous les poulets qui mourront, gagnera énormément d'attaques. Enfin, ça c'est le plan. Après... sur Hearthstone, on n'est jamais à l'abri de rien. Du coup, là, on va pièce, on va donner à notre petit poulet plus un PV. Comme ça, il ne mourra pas s'il se bat contre un collègue poulet. Et on récupère, du coup, 3 poulets et une pièce dans la main. Alors, notre adversaire de jouer, donc, qui aura sûrement un poulet et des pièces détachées dans la main, plus la carte qu'il vient d'avoir. Alors, quoi, si nous jouons une pièce? Est-ce qu'il y aura avec une pièce? Une autre pièce? Eh bien... 3 poulets, du coup? Non. Très bien. Un poulet, une lame tourbillonnante, et un PV. Très bien, donc là... Donc là, je pense que je vais le trade juste avec pouvoir héroïque et... Et le poulet... œuf de dragon qui me sert à rien, sauf si j'ai la pièce détachée plus un attaque.
Je pense que ça me sert à rien quand même. Le Faucheur 4000 qui peut être pas mauvais. Et le Bricabot qui me sert à rien. Du coup, là, on va se diriger vers le Faucheur 4000. C'était vraiment pas oufissime ce qui nous a été proposé sur ce tour-là. Hop, donc là, on trade et on poulet. Et on passe. Comme ça, notre main va être changée. Donc là, on chope la boule. Ce qui est pas mauvais parce que là, on a la boule plus tout pour buff notre poulet. Du coup, s'il pose un poulet avec deux d'attaque. On pourra le trade, enfin 2 de défense, pardon, ou même 3 de défense vu que j'ai l'arme, et ainsi poser notre goule qui passera 4-3 si les plans se déroulent comme ça, évidemment. Très bien, donc un crapaud énorme. Donc c'est une nouvelle carte depuis l'aventure la Ligue des Explorateurs, hein, qui est un point de dégâts quand elle meurt. Donc là, plusieurs choix s'offrent à nous. Alors Fugain, Chevalier Squelette, Chris. On va prendre le Chris. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va Goule Mangeuse de Chair. Et on va booster notre Goule. Enfin, on va booster pour notre poulet en lui donnant un d'attaque pour trade le crapaud. On espère que le crapaud va taper face, évidemment. Évidemment, on a de la chance. Cette fois-ci. Donc là, notre boule qui est boostée à 4-3. Et j'hésite de. J'hésite de. J'hésite à taper un poulet. Pourquoi? Parce que notre goule passerait à 5 d'attaque. Et du coup, elle serait sensible au mot de l'ombre mort. Bon, on va se dire que le prêtre ne va pas, du coup on va trade. Parce que si on trade pas, là on reste sensible à la pièce détachée plus en attaque. Pièce détachée qu'il est plus probable que notre adversaire l'ait. Donc là, on va plutôt jouer autour de la pièce détachée plutôt que le mot de l'ombre mort. Surtout qu'on a déjà vu la pièce détachée 1 attaque qu'il a mise tout à l'heure sur son poulet. Donc là, on espère qu'il n'a pas de châtiment ou double pièce détachée plus 1 attaque et qu'il ne pourra pas trade de notre petite goule. Alors, donc un petit buff sur le poulet. Non, il ne veut plus le buff. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, j'imagine qu'il n'a pas de mot de l'ombre mort, sinon je l'aurais déjà joué. Enfin, ça aurait été logique qu'il le joue déjà s'il l'avait. Il n'a pas l'air de pouvoir gérer ma goule. Ah, quoique. Non, pour l'instant, il la gère pas. Ah, Chili se dément très bien. Donc là, c'est ma goule qui passe de 6-1 à 6. C'est assez embêtant, mais bon, on va vivre avec. Au moins, ça nous fait un mangeur de poulet. Très bien. Très bien, c'est le deuxième adversaire qui abandonne la partie. Apparemment, je sais pas trop pourquoi ils sont. Les adversaires aujourd'hui qui sont pas très véloces, hein, c'est. C'est le cas de le dire. Encore une petite goule comme ça. Du coup, on va réenchaîner sur un troisième match et on va rechanger de classe. On va jouer chasseur. Chasseur, la classe. La classe du désespoir. Petite référence à tous les chasseurs cancer qu'on peut croiser sur le ladder d'Hearthstone. En plus, ça peut. Pas trop mal combo chasseur avec les poulets, hein. Si on a un maître chien ou un ordre de tuer, comme ça on aura au moins un animal sur le terrain. Ah, donc là il pièce double poulet, Jim. Ah, en pièce d'apomatique. Cet homme est un homme violent. Et nous, avec qu'allons-nous avoir? Eh bien, un truc nul, un truc nul et un truc nul. C'est cool. C'est vraiment embêtant. Je vais quand même prendre l'enragé du magma et qu'on va poser directement. Comme ça va se faire qu'on prenne uniquement un point de dégâts, enfin 3 points de dégâts du Zapomatic. On imagine qu'il va taper une fois face et une fois dans l'enragé du magma pour trade. J'ai pas eu de chance au niveau des. Comment ça s'appelle? Des pièces détachées. J'aurais bien voulu avoir la plus 1 attaque tout à l'heure. Comme ça, j'aurais mis poulet plus 1 attaque. Ce qui m'aurait permis de trade le Zapomatic le tour d'après. Là, on espère qu'il a rien pour tuer le Zapomatic.
pour Buff, ça 3-2. Très bien, un éclair. C'est vraiment pas cool. Ça met vraiment pas bien. Donc là, je me prends 6 de dégâts et j'ai rien pour gérer son Zapomatique. Pas un totem de taunt, s'il vous plaît. Très bien, totem de dégâts des sorts. C'est pas plus mal. Mais là, il va falloir un truc pour gérer ça. Il faudra un arc. De préférence. Reno Jackson qui est pas spécialement utile car dans mon deck j'ai des pièces. Plusieurs pièces, plusieurs poulets, donc on s'en fiche un peu. Du coup là on va prendre un élève du roi qui nous permettra de trade le Zapomatic. Normalement, hein, évidemment. On va. Ah oui d'accord. Je voyais pas la joute commencer. Hop, très bien, donc là on gagne la joute vu qu'il a un poulet moins mon enragé du magma. Et on va mettre une lame tourbillonnante à notre élec pour jouer autour de la pièce détachée qui donne plus en défense aux Zapomatiques. Donc qui le ferait passer à 4 points de vie. Ce qui aurait été quand même assez embêtant. Donc là, s'il y en a une, on le gère. Et s'il y en a deux, bah c'est assez embêtant. Là, on espère qu'il n'a pas de Dorion de lave ou d'éclair pour à nouveau gérer mon élec. Apparemment, bon, tant mieux. Et bien sûr, il repose dans sa pomatique. Voilà. Donc là, notre adversaire qui nous fait vraiment une sortie assez balèze. Donc là, on a pioché un bon truc. Une bonne chose, un annulateur d'arcane. Donc c'est une provocation qui ne peut pas être ciblée par les sorts et pouvoirs héroïques. Donc on le joue. Et on double pièce poulet. On peut pas pièce plaque d'armure, pourquoi? Parce que l'annulateur d'arcane ne peut pas être ciblé par les sorts et pouvoirs héroïques, même les nôtres, donc on n'aurait pas pu le buff. Là, il me permet de trade la 3-2, du coup, et qui, je suis sûr que sa 3-2 mourra, étant donné que... Bon, très bien, elle ne mourra pas. Enfin, elle mourra en deux coups, du coup. Étant donné qu'il ne pouvait pas cibler ma créature avec les pouvoirs, du coup, qu'elle ne pouvait pas mourir. Enfin... Il ne pouvait pas mourir par un éclair ou une explosion de lave. Donc là, il pièce. Qu'est-ce qu'il va faire? Très bien, un poulet. Peut-être un deuxième poulet? Un dernier poulet? Une pièce détachée? Non? Oui, non? Très bien, bon, un éclair. Mais pas spécialement bien. Il va falloir qu'on chope un bon petit truc. Du genre, pas du tout ce qu'on vient d'avoir. On va quand même prendre la micro-machine. Hop, on va tuer les lecs. Très bien, poulet. On va jouer la micro-machine. Et du coup, avec le poulet, on va taper dans le totem de Todd. De toute façon, nous n'avions pas le choix. Là, ce serait bien de choper des vraies cartes au début de chaque tour. Hop. Là on a le board pour l'instant, j'espère qu'il a rien pour le gérer, donc une tempête de foudre, ça serait assez embêtant. Donc là plus un d'attaque sur le poulet qui crée de la micro-machine. A nouveau notre ami le Zapomatique, donc pièce, totem peut-être, ou double poulet. Totem, j'espère que c'est pas le totem de heal. Très bien, c'est le totem de heal évidemment. En fait ce n'est qu'un moindre souci puisqu'on a les lames théonantes. Blingotron, ingénieur novice, mage de Dalaran. Donc là, on va jouer le Blingotron, hein, le beau jeu avant tout. On est là pour ça. Ah. On le joue avec la musique la plus belle du monde. Oh là là. Oh la chance. Oh la chance. J'ai eu la. Donc l'arme paladin qui est une des meilleures armes qu'on puisse choper avec le Blingotron. Hein. Tandis que tu as eu le défenseur du roi. Donc là, on va pièce lame tourbillonnante pour le poulet. On va trade donc avec les legs pour pas le totem et avec notre code de 1 son Zapomatique. Et avec notre épée on va taper face. Ça nous fera toujours 2 régènes. Hop. Et du coup on finit par pièce poulet pour se débarrasser de la main, vu qu'on en aura une nouvelle à la fin du tour. Donc là le Blingotron qui nous met vraiment pas mal dans la partie. Sachant qu'il a une arme à 3, donc il peut pas le trade directement. Là, j'espère qu'il aura rien pour gérer mon board. Du genre, pas de tempête de foudre et pas d'éclair. Sinon, ce sera embêtant. Sur éclair, il me clean tout à part mon poulet 1-1. Hop, très bien. Donc là, c'est le totem 1-1, donc je peux trade facilement avec mon poulet. Plus maintenant, du coup, c'est assez embêtant. Puissance totémique, j'ai pas besoin de trade les totems. Enfin,
J'aurais besoin des trades s'ils jouaient autour de Bloodlust ou du Kodo qui donne plus de d'attaque que Kem, mais là c'est pas le cas donc c'est pas un souci. Natpagle, je peux le trade avec mon épée donc c'est pas mal. Plein un poulet, très bien. On va jouer les legs du roi, j'imagine. C'est plus logique. Exaltation. Cristaux de moins, tigre de strangler ronce. On va partir aux dégâts, donc on va penser le dégât et on va jouer le maître des scribes. Donc là on s'en fout, histoire de voir si on peut choper une petite nouvelle créature. Évidemment que non. Donc là, mon pouvoir héroïque. Et je viens de fail, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Il semblait que j'avais 5 de mana. Du coup on fait ce qu'on a dit, on trade Natpai avec notre héroïque. On va mettre en poulet. On va donner plus un PV à ce dernier pour trade son poulet. Et avec le 3-4, on va aller pace. Donc là, on récupère une main vraiment excellente avec deux pièces et deux pièces détachées. Hein. Évidemment, la meilleure main, celle qu'on veut voir tous les jours. Évidemment, c'est une blague, grosse déception. On aurait voulu avoir au moins une créature, voire deux. Nous n'avons que des sorts. Espérons qu'il ne trahit pas notre créature, ce sera assez embêtant. Très bien, 8. Est-ce qu'il vient de jouer un petit Grul, une petite légendaire? 1 pour 9. Qu'est-ce qu'il peut jouer pour 9? Alors. Bien. Bon, du coup, j'essaie d'utiliser toutes ces pièces. Mais bon, l'ordre, c'est quand même assez embêtant. Sachant que cela met une 2-2 tous les tours et que pour l'instant je n'ai absolument rien pour le tour. Alors. Acteur, ou rampante. Une question, je pense qu'on va jouer le Raptor plutôt pour avoir un maximum d'attaque. Donc là on va donner plus 1 à notre poulet, pardon, qui va venir trade le totem. Donc là 3-4 va chercher le totem de taunt. Hop, donc là on joue les pièces. On met la plaque d'armure sur le raptor, pourquoi? Pour pas qu'il vienne se faire trade par totem incendiaire plus poulet. Du coup il a 3 de défense. Et pour l'instant ça le met à l'abri. Sous peine, enfin, sous condition qu'il n'ait pas d'éclair ou de removal pour tuer mes créatures. Donc là, le Herder qui met vraiment mal, sachant qu'il met un taunt à chaque je suis libéré de la maladie à chaque tour et que je n'ai rien pour gérer ce taunt. Donc là, on espère qu'il va pouvoir héroïque, parce qu'il aura forcément le totem de taunt, mais il n'aura plus de place sur son board. Donc je préfère avoir 4 totems sur le board plutôt que 2 légendaires. Évidemment, la puissance totémique, c'est assez embêtant, parce que là, je ne peux plus trade le totem de Tom. Donc là, l'ardeur, là, j'imagine qu'il a chopé un éclair s'il trade ses créatures. Non? Ou un orion de terre, peut-être. Oh, très bien, il n'a rien chopé de tout ça. Bon, s'il a chopé un éclair. Bon, alors comment allons-nous le tuer? Est-ce que le jeu voudrait bien me donner un lâcher les chiens dans les 3 cartes à choisir? Ça serait assez caviar. Oh. Baron Guédon qui me permet de trade 3 créatures et d'avoir une 7-5. Ouais, Baron Guédon, on dit pas non. Donc là on tape dans la 0-5 pour la mettre à 2 HP. On met le Baron Guédon. Et on va lui mettre plus un HP. Et donc là, le Baron Guédon qui va faire le taf et qui va détruire 3 de ses créatures. En plus de lui infliger 2 points de dégâts. Et en plus, mon Baron Guédon qui est 7-6 et du coup qui n'est pas tuable pour l'instant par son board. On espère évidemment de tout cœur qu'il n'ait pas encore récupéré l'éclair pour la 4ème fois dans le match. Ce sera assez embêtant. Ou même un Maléfice. Alors, que va-t-il nous jouer? Donc là, potentiellement, on a l'état le prochain tour. Je n'ai rien dit. Vu que j'avais oublié qu'il utiliserait son pouvoir héroïque pour avoir le totem de taunt.
très bien, une RPI Fury devant, c'est pas le souci. Enfin, en fait, c'est un souci parce que si je le tue pas ce tour-là, lui va me tuer. Alors, quoi? Je peux attendre et pêcher toute la Encore là de ta journée. gueule. Alors là, du coup, j'ai 13 points de vie et lui, le prochain tour, aura 12 points d'attaque. Travail terminé. 12 points d'attaque, c'est assez embêtant. Enfin non, je n'aurai plus que 11 points de vie à cause du Baron Guédon. 13 si je joue la soigneuse sombre écaille. Maître Jouteur. Donc là, j'ai le choix entre tir meurtrier, mais j'ai très peu de chances qu'il me sauve le match. Avec soigneuse sombre écaille qui me permettrait de survivre à 1 HP. Mais sachant qu'il a déjà joué un éclair, il y a des chances qu'il l'ait encore dans la main et donc que je meurs sur ça. Et le maître shooter, mais si je gagne, si je perds la joute, je perds la game avec. Du coup, on va prendre la soigneuse sombre écaille. On va Je Il passe. n'est pas le, il n'est pas l'éclair, évidemment. Pour l'âge, Alors, on va pouvoir héroïque. Pour la pièce maître des streams et gros pouvoir héroïque si je dis pas de bêtises. Non, pas du tout. Le pouvoir héroïque ne se reset pas avec le maître des streams. Donc, mène on la a suicidé un danse. maître des streams, vous voyez. Donc là, il a 10 points de dégâts, il a 12 points de dégâts et j'ai 13 points de vie. Donc là, on espère juste qu'il n'ait pas un point de dégâts dans la main. Ce qui est assez peu probable. La carte qu'il vient de prendre, c'est laquelle? J'apporte la vie. Rien. Hasard. Un taunt, c'est forcément un taunt. Ah non, il aurait pu avoir la 1-1. Bon, il ne l'a pas eu. Alors, va-t-il trade ou va-t-il face? Ah. What the fuck? Que fait-il? Eh bien, trade du Baron Guédon. Et là, il me faudrait une carte pour gérer l'Extraza, sinon Travail c'est la terminé. perte. Bon. Ça a l'air d'être la loose. Qu'est-ce qu'on pourrait choper avec l'élec du roi? Un Blingotron, sinon on n'a rien qui nous sauve. Bon, du coup, on va essayer Nefarian. Voir si on peut choper. Je ne sais quoi. Les éléments Un ont truc qui péri. fait 13 de dégâts à 1 de mana. Pas de chance. Et c'est la lose du coup. Eh bien, je conclue. Oui, non, mais je dis. Bon, voilà, donc il tape avec l'Alexandre et je perds la game. Les éléments vont détruire. Très bien. Donc voilà, un bras de fer un peu spécial cette semaine. Hein. Les règles étaient assez bizarres vu que le deck changeait à chaque fois, la main changeait à chaque fois. Donc, bras de fer. De la semaine sur Ivesun Studio et suivez-nous sur tous les liens qui seront dans la description, donc YouTube, Twitter, Steam, Facebook et bien plus encore. Il n'y a besoin que d'un clic et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau bras de fer.